Salut, c'est Romain et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo assez particulière, pourquoi? Parce que je voulais faire une séance de sport, mais comme dehors il pleut, eh bien tout simplement, on va faire quelque chose de simple, quelque chose de basique. C'est parti. C'est mort, hein, c'est dead. C'est dead. Et oui, et donc, comme en temps de pluie et en temps de confinement, on n'a pas accès aux salles, ni accès, eh bien, bien évidemment, là, dehors, parce que quand il pleut et quand l'hiver approche, eh bien, malheureusement, on est cloîtré à la maison. Je vais vous montrer un exercice très, très simple, mais vraiment très, très simple, pour optimiser la résistance de vos cuisses. Alors, c'est parti, je vous montre tout ça dans la vidéo. Let's go. Et donc, là, vous l'aurez compris, l'exercice phare, c'est la chaise. Alors pour la chaise, on est parti sur un angle de 90 degrés avec l'insertion de la cuisse et bien des genoux, hein, juste ici, et on tient un maximum de temps. Alors pour vous mettre au défi, j'aimerais que vous teniez au moins une minute. Donc c'est parti, je mets le chrono, j'ai pas de montre, mais on s'en fout, c'est parti, let's go, une minute. Le dommage, c'est que je pense que vous ne voyez pas mon équerre, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que je le fasse à fond et voilà, que vous ayez une référence. Donc c'est parti, on tient, et il n'y a plus qu'à espérer que le muscle tienne. Mon record à ça, je crois que c'était 2 ou 3 minutes, je sais plus. Peut-être 4, je sais plus. Mais à la fin, genre, j'avais pu me lever, c'était mort. Les gens tremblaient, c'était un peu, mais personne ne pouvait bosser. Ça, c'est assez délicat. Alors vraiment, le tout, c'est vraiment de rester à 90 degrés, ne pas bouger. Si vous sentez que vous êtes... que c'est trop facile, vous pouvez si vous sentez que c'est trop dur, pardon, vous pouvez vous lever. Si c'est trop facile, vous pouvez descendre un peu plus. C'est vraiment vous qui jugez la chose. Moi, je vous recommande vraiment de rester à 90 degrés ou un peu plus au-dessus pour protéger un maximum vos genoux. Sinon, rester à 90 degrés, il n'y a aucun problème. Ok, donc c'est terminé pour la vidéo, très simple, c'est carré, c'est net, c'est précis. Donc vous voyez, hein, là on est à l'intérieur, sans matériel, pas besoin de faire du sport en salle de sport. On peut très bien trouver juste un exercice qui bosse l'ensemble de vos cuisses sur la résistance. Ça va pas vous permettre d'avoir des cuisses énormes, mais ça va vous permettre d'avoir une résistance au niveau de vos cuisses et par conséquent, eh bien, de faire des répétitions supplémentaires lorsque vous faites une séance de sport de jambes. Ça m'a tué le truc. Ça m'a tué. Donc oui, donc cette séance-là, elle est vraiment essentielle. Ça va vous travailler votre muscle en isométrique. Donc globalement, vos muscles ne sont stabilisés. Donc ni dans la phase concentrique, ni dans la phase excentrique, on est vraiment dans la phase isométrique. Et par conséquent, eh bien, vos fibres musculaires vont résister davantage. Et ça va vous permettre, eh bien, si jamais vous faites une séance de sport en salle de musculation ou dehors, eh bien, ça va vous permettre de renforcer votre endurance musculaire et par conséquent, eh bien, faire des répétitions supplémentaires lors de vos séances de sport. Donc pratiquer un exercice isométrique, c'est vraiment important, idéal et à non négliger pour, eh bien, optimiser votre croissance musculaire ou à perdre du poids. Parce que oui, la perte de poids joue aussi un rôle prépondérant sur la manière dont on s'entraîne. Et travailler le muscle en isométrique va vous permettre, eh bien, de puiser plus d'énergie, de puiser plus de carburant dans vos muscles et par conséquent perdre du poids. Donc je vous invite vraiment à effectuer ce simple exercice qui dure globalement une minute, hein, pour la plupart des personnes. Ça dure une minute, mais c'est une minute qui est très très hardcore pour les jambes et pas besoin de faire mille et une choses. Un exercice seulement pour optimiser votre croissance musculaire. Alors j'espère vraiment que ce type d'exercice, vous allez le faire chez vous. Ça prend juste une minute ou deux lorsque vous êtes en attente ou lorsque vous avez une envie subite de faire du sport. Eh bien pourquoi pas travailler la chaise en isométrique. C'est vraiment
un exercice du travail du feu de Dieu. Donc, moi, je vous le dis, c'est un exo primordial et prépondérant pour votre perte de poids, pour progresser et par conséquent optimiser votre transformation physique. En tout cas, c'était Romain, coach sportif. On se dit à très vite, à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, l'acteur de votre santé, c'est vous. Ciao, ciao.